À bientôt. Ouais. On va aller faire un petit tour par là, vous. À ceux des grenadiers à pied de la garde. Vous avez des femmes. Alors il y a plusieurs catégories de femmes. 5 catégories. Première catégorie, les femmes combattantes. Qui quand même malgré les pantalons, les mouchoirs, et ça pose des problèmes d'hypertension. On prend la personne. La race. Quand je dis la race, du dessus jusqu'en bas. Sur un arbre devant le front des troupes. Retraite des troupes alliées, c'est ce qui s'est passé en 1814. Alors ils sont en train de se réfugier sur la croix de la langue verte qui a été créée en 1813 et qui est revenue après la croix de fer. Distinction
On ne veut jamais. On trouvait différence de langage. Mais ne parle pas. Maintenant, chariot, derrière, qui s'y gère. Mais le problème du chariot, c'était qu'ils étaient plus lents que les fantassins. Donc quand le fantassin arrivait, le temps qu'il attend de charger avec la nourriture. Alors l'essence en matière de feu, c'est la cour militaire qui s'agrippe. Là vous voyez que la nuit est bien repoussée. Là ici, eh bien, ce sont des jeunes soldats qui avaient une vingtaine d'années, dont le décret de conscription avait été contre-signé par un thérapeute. C'est pour ça qu'ils ont été dans la main. On va d'abord intéresser vite les autrichiens que les Français appellent les autrichiens ou les sous-alarmes. Tiens, ennemi qui rend son épée à l'empereur, il est vaincu. Et dans un geste chevaleresque, l'empereur lui restitue son épée. C'est encore les restes de la guerre mondiale. On fait partie des règles de l'époque. Alors, j'avais demandé à la cavalerie. Alors, avant que vous ne sortiez, je souhaiterais que l'état-major de l'empereur. Moi, je crois que sinon, il va faire bon. Voilà, alors l'empereur, au centre, naturellement. Un officier d'ordonnance. Un adjudant commandant. Voilà, vous mettez, mettez-vous en ligne. Hein, mettez-vous en ligne pour vous voir mieux. Mettez-vous en ligne. Là, voilà. Oui, parce qu'on change. Naturellement, à tout Seigneur Dieu d'honneur. L'empereur Napoléon, connaissez tous, l'Assassiné à Ajaccio, hein, le 15 1769, lors d'un centenaire de 5 mai 1801. Je vous dis qu'il y a une question fort en maths. Quel âge avait Napoléon quand il est mort? Allez, en 1769-1821, ça doit bien ressembler à 52 ans. Eh bien, vous êtes tous trompés. Il est mort le 5 mai 1821. J'écris sur un tableau noir. 5 mai 1821. Je réécris, mais il avait 51 ans, 8 mois, 21 jours. Vérifiez l'informatique. C'est pas extraordinaire, ça? Alors, notre empereur Napoléon, qui nous vient de Belgique. Allez, oui. Voilà, ça fait plusieurs années qu'il fait l'empereur et nous l'en remercions. Alors nous allons avoir maintenant à nous présenter un officier supérieur du train des équipages de la gare impériale, couleur gris de fer bleu, le dernier chic à Paris. En avant une ligne, suivi du 4e régiment d'infanterie de ligne et du 51e des voltigeurs du 5e de la garde en tête. Alors vous les voyez, il y en a encore dans la Légion étrangère. Grenadier de la garde et puis Jean-Charles dans le chapeau. Si vous êtes prêts,
le système va mieux. Mettez la pièce avec une coque. On appelle ça tirer la pièce à la bricole. Alors, infanterie légère, 17e régiment d'infanterie légère. Elle est suivie de gendarmes et de dragons. Fifre et tambour avec un sapeur. Chasseur à pied de la garde, premier jour. Dans deux bataillons de chasseurs à pied de la garde. Merci. Charpentier. Et là, donc, ouais, pour le temps, je suis là. Du coup,
pour se servir, c'est pour ça. Pour contrôler la couture, j'ai un instrument. Je l'ai plus chanté. Ah, merci Walter.